Hey! Hey! Qu'est-ce que... Hey! Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, mon amour, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tout va bien? Hein? Hey! Bonjour, messieurs. Excusez-moi, est-ce que je peux vous voir en privé? Ok, monsieur, aucun problème. Mais qu'en est-il de ma femme? Ne vous en faites pas, monsieur. On prendra bien soin d'elle. Venez d'abord, ok? On va s'occuper. Okay. Ne vous en faites pas. D'accord. Venez, monsieur. Chérie, s'il te plaît, reste calme, ok? Je reviens tout de suite, chérie, d'accord? Reste tranquille, ok? Je reviens tout de suite, chérie. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut toujours la sauver? Je suis vraiment désolé, monsieur Georges. Alors, nous en avons avec le corps à la mort pour une autopsie et menez plus d'enquête et nous vous reviendrons après, monsieur. Ok? Je suis vraiment désolé, monsieur. Au revoir. Oui, je sais. Bien. Vous avez le droit de garder silence. Est-ce que vous comprenez cela au moins? Oui. Vous avez le plein droit de répondre comme non avant que je ne pose une quelconque question. Mais pour les deux cas et pour l'avancement de cette investigation, il serait sage si vous nous disiez absolument tout ce dont on a besoin de savoir. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? D'accord. Cette conversation sera enregistrée pour être utilisée plus tard pour une raison, comme une évidence. S'il faudrait vraiment qu'on aille jusque-là, comprenez-vous cela? Oui. Alors, je vais aller tout droit au but. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de vos origines, votre nom de famille? Je m'appelle Jane. Jane Olsa. J'avais une famille que toute personne espérait avoir. Un mari que toute femme rêvait de sortir avec. Mon premier amour. Mon âme sœur. Il avait un bon cœur et tout responsable. Mon fils répond de l'amour dans la famille.
analyst or analyst for this morning. But do remember, Lagos, you are of course always invited to share your thoughts and comments with us. And the news stories today are particularly interesting, so we'll be talking about them in a lot of detail. Use the hashtag Grapevine981 up on Twitter to make sure that we see your comments as you tweet them for us in the general world from YouTube. Take a moment to think about it while we play this song for you. We'll be back to talk about it. Ok, nous avons toasté à la vie. Ta promotion. Et j'ai gardé le meilleur et le plus important des toasts pour la fin. Ça, c'est pour ma magnifique et amoureuse de femme. Et à mon bel homme de mari. Oh. Mon petit ami. Oh. Il n'y a pas d'homme qui soit meilleur que toi. George, et si tu t'es soumetté au sport pendant un temps? Oh, bien sûr. Tu sais, il faut réduire un peu quelques graisses de ce corps. Tu sais que j'apprécie te voir dans des sexy boxeurs. Oh mon Dieu, tu es une bad girl, Jane. Tu es une bad girl, c'est pour girl, ça que toi. Tu as réussi à mettre cet anneau dans ouais, mon doigt. Je sais, chérie. Hey. Hey. Le travail, c'est au bureau. Nous sommes à la maison. Viens au lit. J'ai presque fini, babe. J'arrive. J'attends. Quoi? J'ai dit que je t'attends. Je te rejoins tout de suite, chérie, dans une seconde. Si vous avez dit que votre mari vous aimait ou vous aime encore, je ne pense pas que je dirais la même chose en voyant cette scène, parce que il avait quelqu'un qui vous surveillait. Et saviez-vous à propos de cela? J'étais en réunion avec un client. Ces clients... J'étais tellement excitée que j'avais tout raconté à mon mari. Je lui ai tout dit. Nous étions supposés avoir une réunion dans son bureau. Chérie, nous avions parlé de ce problème encore et encore, Chuck et moi. Bébé, s'il ne veut pas se marier, tu n'as pas à le forcer la main. Quoi? Sérieux? Écoute, avec lui, il faut vraiment le forcer. Chérie, cet arôme-là... Oh. Ceci me rappelle. J'étais en réunion hier avec les clients. Il est très, très intéressant. Oh, hein? Vraiment? Ok. Rappelle-toi de Sandra, mon ami. Ils ont voyagé ensemble où il a travaillé dans la communication. Ouais. Elle lui a passé mon contact. Oh. Et la réunion s'est bien passée. Oh, je vois.
Et nous aurons encore une autre réunion ce week-end afin de réunir tous les éléments dont nous avons besoin. Vraiment? Cela sonne comme une très bonne nouvelle. Bien sûr que je le sais. J'en ai hâte, ce sera le plus grand des événements où je vais travailler ensemble avec eux. Tu sais que je me demande vraiment comment vous faites ce genre de choses. Honnêtement, sérieux. Aucun doute, aucun secret, juste l'amour. C'est tout ce qu'on fait, mec. Écoute, l'amour ne va pas trop loin, mec. Sois vraiment très prudent, ok? Je suis vraiment très confiant quand il s'agit de ma femme Jane, ok? Mais la vérité, c'est que, avec ce travail, on ne sait rien prévoir. Si elle commence à voir des hommes, des femmes, et qui sait, un jour elle pourrait juste, tu sais, perdre ses sens pourraient la quitter, et puis elle pourrait tomber pour l'un d'entre eux. Donc, c'est ce pourquoi tu n'es pas encore marié? Non, pas du tout. Ça, c'est mon opinion, peu importe. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose, Chuka. Tu sais, avec Jane, l'infidélité, c'est quelque chose dont je n'ai même pas à m'inquiéter. Ok? Ok. Je ne fais que parler comme un frère, mec. Surveille tes arrières. Je te comprends bien. Ne t'en fais pas. C'était un accident. Crois-moi, ça s'est réalisé tellement vite. Il était sur le point de me violer. J'ai lutté. Je l'ai frappé avec quelque chose sur sa tête. Et tout ce que je pouvais reconnaître après, c'est qu'elle était au sol. Là, c'était quand je me suis enfuie de l'endroit. Mais je suis désolée. Je suis désolée. Je suis profondément désolée. Alors, comment est-ce que la détention est entrée en possession avec ces photos? Je ne sais pas. Il me menace avec ses photos.
Je veux la voir avant toute chose. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter à propos de ça. Je ne vais pas te décevoir. C'est le mieux pour toi à faire. Alors, ma chère... Cette visite ne me paraît pas du tout intéressante. Je t'ai appelé pour que tu découvres là où j'habitais. Seigneur des anges, n'ose pas me toucher. Tu ne peux pas partir. N'ose pas me toucher. C'est ce pourquoi je t'ai appelé ici aussi. Tu ne peux pas partir juste comme ça. Reste là. Oh! Monsieur Philippe. Monsieur Philippe. Monsieur Philippe. Bonjour, monsieur. Vous serez surpris parce que je vous emmène là-dedans. Monsieur, je suis venu vous rappeler la réunion que vous aurez à 14h avec Madame Zekunde. Mais il est à peine 11h. Exactement, c'est pour ça que je suis venu vous rappeler, puisque je vois que vous avez déjà dit la visite. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez finir. Ne t'en fais pas, tout va bien. D'accord, monsieur. Jennifer? Monsieur? Est-ce que tout va très bien? Oui, monsieur, tout va parfaitement bien. Excuse-moi.
Es-tu sûr à propos de ces photos? À 100% sûr, monsieur. Ok. Mais la prochaine fois que tu as quelque chose pour moi, appelle-moi d'abord au téléphone. Ne viens pas comme ça au bureau. Ok? Ok, monsieur. Allô? Madame Onisa. Oui, c'est moi. Un grand fan de vous, qui aime votre style. De quoi parles-tu? Avec moi ici se trouve la photo du meurtre qui a eu lieu hier. Quoi? Choqué, n'est-ce pas? 2 millions. Dans 2 jours, à la place centrale, à 20h juste. Comment est-ce possible pour moi de lever ces fonds? Vous avez vos moyens d'avoir l'argent. Votre mari en est un. Qu'arrivera-t-il à votre famille? Votre mari sera détruit. Si seulement vous ne faites pas cela, je vous promets la prison pour meurtre. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Ok, je ferai de mon mieux pour trouver la somme. Gentille fille. J'attendrai. Oh. Deux millions. Ah!
C'est fait. J'ai votre paquet. Allô? Allô, Jane? C'est ton ami qui t'appelle. Ne te dérange pas. Nous n'allons plus jamais te déranger. C'est qui? Ne penses-tu pas que tu as besoin d'être plus coopérative? C'est qui au téléphone? Sache que ça sera en ta faveur. Si nous nous retrouvons demain soir, je t'enverrai l'adresse. Jennifer, jette-en un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Tu peux l'ouvrir. Regarde. Surprise, pas vrai? Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Tu peux garder cette explication auprès des autorités. Quand je leur passerai ces éléments, c'était de la légitime défense. Fais juste exactement ce que je t'ai demandé de faire. Je veux que tu t'écartes de la route. Excuse-moi. Je vais être avec lui. Tu me fais chanter? Tu peux le qualifier de tout ce que tu voudras. Mais ce n'est pas du tout juste. C'est mon mari. Accepte que je t'apprenne une leçon de ta vie. Je te laisse le temps de profiter de sa présence et de tout ce dont tu auras besoin pour la dernière fois. Tu ne peux pas faire ça, non, ce n'est pas possible. N'oublie pas que j'ai assez d'éléments à fournir pour te chercher. Donc, ne plaisante pas avec moi. Quoi? Oh, mon Dieu. Vous disiez avoir reçu un appel avant qu'elle ne vous appelle. Oui, oui. Qui était-ce dans ce cas? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il m'a appelé pendant un moment. Quelle relation aviez-vous avec elle? Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré au bureau de mon mari. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Upside. Excusez-moi. Je ne pouvais m'attendre à ce que tu fais. Ah, oui, Upside, c'est là où je travaille. Je le devine autant. Est-ce que vous avez un rendez-vous là-bas? Pourquoi? J'ai l'air d'une cliente. Je suppose que oui. Oh, c'est l'humeur de la journée, juste pour vous taquiner. Oh, votre temps périt. Chaque jour suffit sa peine. Vous auriez dû m'informer. C'est ascenseur.
me permet de faire de longs trajets. Sinon, je ne serais pas en mesure de mener tous ces documents. Ah, eh ben. Êtes-vous en train de me suivre? Non. Je dois déposer ces dossiers dans le bureau de M. George. Je crois que c'est par ici. George Olisa? Je crois que vous le connaissez. Oh oui, je le connais très bien. Il est le genre qui s'irrite très facilement. Et il pense très différemment des gens normaux. Je t'en prie, ne dis pas que je te dis ça, ok? Pourquoi? Ça vous causerait de problèmes? Très gros problème. Ah. Bonjour George. Hey Maury. Comment était ton week-end? Fabuleux, fabuleux. J'ai vraiment eu beaucoup de temps pour moi. Je crois que je n'en avais profité. Non. C'était pas une opportunité pour parler de tout ça, ok? En quoi je peux vous aider? Là, c'est Monsieur George Olisa. Oui. Mademoiselle, gare à toi. Il est marié. Sa femme doit être chanceuse. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah, très bien. As-tu parlé à notre ami Aradicho hier? Oui, je viens juste d'être avec lui au téléphone. Et? Eh bien, pour soulever les points et parler de son plan financier. Et nous avions eu à parler des bonds dont je me suis assuré qu'il investisse jusqu'à au moins 2 millions. Parfait! Chuka, monsieur, tu iras avec George cette fois. Ok, ça n'est pas un problème. Ok, c'est bon. Salut mec. Hey, quoi de neuf, bro? Bon après-midi, monsieur. Ouais, je vais très bien, mec. Est-ce que tu sors ce week-end? Se détendre un peu avec les gars? Gars, Jane aura ma tête sur une assiette. Je dois partir. Pourquoi? Honnêtement, je l'ai promis que je l'aiderai avec quelques trucs. Alors, là, il faut que je... Eh bien, tu pourrais l'appeler pour lui dire que c'est une urgence au travail. Merci, mais nous avions déjà arrangé tout ça. Ça lâche! Merci! Maureen. Salut. Je t'en prie, trouve-moi Maureen. Vous vous rappelez de moi? Ouais, Jennifer, l'influenceuse. Où est Maureen? Je viens à peine d'être là. Oh. J'aurais appris qu'elle avait réunion avec d'autres filles à l'hôtel, mais j'espère que tout va bien. Sûr. Hey Laura. Hey, bonjour Monsieur Olisa. Bonjour. Prends tes affaires et suis-moi s'il te plaît. D'accord monsieur. Allô? Ah. Yeah, bébé, je suis encore à la salle de sport. Ouais. Je suis en train de travailler avec d'autres filles. Et je suis déjà en train de chuter, je suis restée toute seule. Ben, nulle part que j'aurai une rencontre à l'église avec deux femmes ce week-end. Waouh, je suis vraiment très fière de mon bébé. Je suis content que tu ailles très bien. Ah, ça fait partie des leçons que j'apprends auprès de Missy George. Ouais, j'ai beaucoup enseigné. Je crois qu'on va parler plus tard. Ouais, ok. Okay.
Il y a un souci? Cette carte m'est parvenue aujourd'hui, avec cette fleur rose. Mm-hmm. La carte était adressée à Janet. Janet? Mm-hmm. Et qui est Janet? Ton autre femme? J'espère que nous nous sommes convenus, pas d'assistance féminine. Chérie, je n'ai pas le contrôle sur les changements des agents. Ok, d'ailleurs, Maureen était une femme. Maureen est mère, elle est assez vieille, tu vois. Mm. Est-elle jolie, cette assistante? Je ne suis qu'en train de poser une question, elle est relax. Oh oui, elle est jolie, je crois. Peu importe, je veux que tu la vires immédiatement. Mm. Elle a d'ailleurs fait un très bon travail aujourd'hui. Ça explique la carte. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, Janet. Ah, arrête, stop. Je crois que tu n'es pas agacé de nous voir surgir à l'improviste. Quoi? Tu es sérieuse là? Et ça, c'était intentionnel, n'est-ce pas? Ah, ne me blâme pas. Blâme Janet. Voyons. Je sais que ton fils de foi se comporte comme un adulte. Quoi? Et comment elle a su comporter au mall? Oui, et alors? C'est certes qu'elle était en train de nous épier à partir de la porte. Eh non, je ne pense pas. Elle a probablement dû le définir comme ça. Mais je veux dire que cette fille est comme toutes les filles, mais celle que j'ai vue ne me paraît pas du tout ordinaire. Et comment je suis supposé savoir? J'ai les yeux sur toi, chérie. Ah, écoute comment tu me flattes. Allez, viens, viens, chérie. Laisse-moi t'accompagner à l'ascenseur, comme ça tu vas pouvoir dire au revoir à tout le gang. Ça t'a manqué, n'est-ce pas? C'était la surprise de la journée. Viens là, mon cœur. Merci d'être venu. Oh, mon Bluetooth. Allez, désolé, viens, bébé. Chérie. Allons-y.
Jennifer? Oh, désolé, je crois que j'étais seule. Je dois m'en aller. Non, non, c'est bon, tu peux rester, ok? J'étais juste venu pour prendre ceci. Hey. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider? Et ça, si tu veux parler de ça, bien sûr. Ce n'est rien. Oh, tu ne pleurerais pas pour rien du tout? Vous croyez que je pleure? C'est juste une allergie. Mm-hmm. Alors, à quoi est-ce que tu es allergique alors? Les hommes avec l'air allergique. Actuellement, j'en ai été victime. Problème de couple. Le plus stupide, c'est qu'avec qui je suis en relation est juste imprévisible. Il est terrible. Nous n'avons jamais navigué dans la même longueur d'onde. Ah, c'est vraiment très froid. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble déjà? Des mois. Actuellement, c'est ma plus longue relation amoureuse. Les expériences du passé m'ont rendu très aigrie. J'ai peur. À vrai dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Hey, il n'y a rien qui ne va pas avec toi. Ton petit ami est un vrai fou s'il ne voit vraiment pas tout ça. J'aurais souhaité le croire. Écoute, peut-être que tu devrais juste t'enlever cela de la tête. Je crois que celui qui m'est destiné est déjà pris par une autre femme. Sauf que ça ne marche toujours pas de cette manière, ok? Et quand ce genre de personne arrivera, tu sauras. C'est ce que j'avais vécu avec Jane. Pour être franc, oui. Je dirais oui, pour être rapide. Elle a rencontré le vrai amour. C'est toujours disponible. Non. Moi, je suis jalouse. Pourquoi? Elle bénéficie de beaucoup de choses. Elle a un mari parfait, un enfant ainsi qu'un mariage parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. Ok? Écoute. Chaque relation amoureuse a ses hauts et ses bas. Ok? Mais tu dois juste continuer d'avancer. Tu n'as pas du tout à te lamenter comme ça. Tu es jolie, tu es intelligente, tu es très attractive. N'importe quel homme, je te le dis, n'importe quel homme sera très heureux de t'avoir, toi. Oh oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Oui, quand j'étais célibataire. Mais vous ne l'êtes pas. Non, je pensais juste à quand j'étais. Je sais. Avec vous, je me sens mieux. Vous l'êtes. Merci, Georges. C'est d'accord. Il faut que tu sois forte, ok? Mais... Bien, merci. Hey, quoi de neuf, mec? C'était quoi tout ça? Ce n'est rien du tout. Elle vient juste de se faire larguer par son gars. Et elle était là en train de pleurer. Vraiment? Mm-hmm. Tu sais que ça ne me dérangerait pas de te voir sortir avec elle. Gars, est-ce que tu as vu ce bassin là? On dirait que tu l'avais pas vu. Hey, Chuka, je suis un homme marié, un homme responsable, ok? Et tu ferais mieux de commencer à penser à entrer dans cette institution. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus regarder. D'ailleurs, ce n'est pas comme si, pendant toute la journée, tu ne peux pas sortir avec, tu vois, sortir avec l'une des employées pour vous envoyer un peu en l'air. Voilà, ne me regarde pas comme ça. Chuka, si tu penses commencer quelque chose avec elle... Mais tu l'as vu en premier. Écoute, je vais juste... partir, ok? Écoute, hein? Je ne pense pas être son genre. Chuka, fais-moi une faveur, d'accord? J'essaie juste de dire que la plupart de ces filles célibataires sont toujours là à chasser des garçons au travail. Et c'est elle, mon amie. Pow, elle finira par t'avoir. Je vous prie, donnez-moi une minute. Je reviens tout de suite après. Alors, je pense que cette femme est innocente. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est innocente? Bien,
Nous avions mené des enquêtes. Des très sérieuses enquêtes, d'ailleurs. C'est d'accord, je te reviendrai pour trouver une conclusion, pour clore tout ça. C'est bon, aucun problème. D'accord, monsieur. Oui, au revoir. Au revoir. Clayton, mon gars, moi, allez, tape 5 à papa. Ouais, tu as bien dormi? Bon garçon. Ah, voyons voir ce que maman a fait pour nous. Salut chérie. Est-ce que ça va? Je vais bien, merci. Est-ce que tu sauras me les piquer juste après ton boulot? Bébé, peut-être pas aujourd'hui, demain. Il y a une fête au bureau ce soir. Ok. Je n'apprécie pas que tu prennes beaucoup d'alcool. Eh bien, si tu insistes d'ailleurs, je pourrais être ici avant toi. Pas Spider-Man! Oui, mon garçon, je vais trouver un CD de Spider-Man, ok? Mais tout d'abord, mange ta nourriture. Vas-y, on doit aller à l'école, attends. Allez. Je crois que ça sera intéressant pour cette nuit. Tu veux que ça soit plus intéressant cette nuit? Pourquoi? Viens, tu ne m'attendais pas à passer un moment formidable. Voyons, écoute, je suis sûr que tout le monde ici est très à l'aise avec tout le monde, tu vois? Même toi? Que veux-tu dire par même moi? Je suis ton supporter numéro 1 par ici. J'ai de la chance d'être soutenu par mon premier chef direct. Oh oui, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance.
Jane, qu'est-ce que tu fais? Mais Jane, qu'est-ce que tu fais avec là? Arrête ça! Allez, arrête avec ça! Arrête avec ça! Arrête! Oh, la bière, c'est très bon. La bière, c'est très bon. Qui est là? Oh, ma femme. Oh, mon Dieu. J'ai passé l'une de ces soirées, mec. tu sais, cette dernière bouteille que j'ai prise a totalement bouleversé mon cœur. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air vraiment très sûr. Non, t'en fais pas. Je dois juste trouver le chemin vers ma voiture. Tout ira bien. Vas-y doucement, mec. J'espère que moi, je pourrai rentrer à la maison. On se parlera plus tard.
Babe, allez, debout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Merde! Quoi? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je t'en prie, il faut que tu partes maintenant, ok? Juste va-t'en. Bonjour, George. Mais qu'y a-t-il de bon ce jour? Je t'ai demandé de t'en aller. Ça, c'est ma maison, George. Quoi? Merde! Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Hey, merde, George, c'est pas vrai, mon Dieu. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Chérie. Merde. Hey, mon garçon. Ah, comment vas-tu? Tu as bonne mine. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé toute la nuit, tu ne décrochais pas tes appels, c'était quoi? Je suis désolé, je n'étais pas dans tous mes états. Je crois que j'étais dans un embouteillage et c'est resté plusieurs heures. Je crois que c'était un rafale, pas vrai? James... Ok, pas grave, on en parlera après, bébé. Pourquoi tu ne pars pas te rafraîchir d'abord pendant que je suis à la cuisine t'apprêter à manger? Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu sais que tu devrais doser avec tout ça. Quoi? Genre une fête de Noël? Je crois que c'est le genre de fête auquel tu devrais vraiment prendre l'habitude de ne pas trop y aller. Oh, vraiment? Je suis désolé, je ne me suis pas retenu. Ok. On se voit plus tard. Chuka. Je t'en prie. Si Jane vient te demander là où j'étais l'année dernière, j'étais avec toi, ok? Quoi, t'étais pas rentré à la maison? Non, je n'avais pas pu. Alors, où étais-tu? Kroma, t'as pas envie de savoir, ok? Ok. Est-ce que ça va? Bien sûr. Je suis venu vérifier si tu as fini avec les dossiers de la Jane. Ok, juste dis-lui qu'il aura ça à la fin de cette journée. Merci. Tu travailles avec ta moi, Sisdek? Juste pour aujourd'hui. Il est un client, n'est-ce pas ça? Oh oui, mais ne le laisse pas t'intimider. Son dos est aussi mauvais que sa morsure. Maintenant, dites-moi, qu'est-il arrivé pendant le jour de l'attaque? Euh,
bien un temps proche de ses jours. Elle m'avait fait un appel pour me rappeler l'adresse. Après cet événement, je m'étais décidé de descendre dans la maison de ma mère. Jay! Hein? Oui? Y a-t-il un problème? Un problème? Oui, tu n'as pas entendu un mot de ce que je viens de dire. Désolée, je suis juste perdue. Est-ce que tu vas bien? Y a-t-il un problème? Rien du tout. Cela ne ressemble pas à rien pour moi. Non, ça va. Je vais parfaitement bien, crois-moi. Et si me rappelle, la grand-mère a appelé. Disons qu'elle était préoccupée de savoir comment nous allons, puisque ça fait très longtemps que nous ne sommes pas vus avec elle. Désolée chérie, excuse-moi. Tu crois être la plus forte, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu ne pars pas de cette maison dans les 24 heures qui suivent, c'est là que tu sauras qui est-ce que je suis.
Allô, grand-mère. Oui, grand-mère. Maintenant que nous parlons, je suis déjà en route vers chez toi. Oh, les travailleurs. Il va reprendre son poste dès ce week-end. Ton jeu? Oh non, c'est pas vrai. Comment je peux oublier? Je ne suis pas encore loin de la maison, donc je peux faire demi-tour. Ça te va? Oh, il n'y a pas de souci. Je peux faire demi-tour. À tantôt, d'accord? Maman revient dans quelques minutes, ok? Maman, où est-ce que tu vas? Je récupère les jeux pour la grand-mère. Ne touche à rien, d'accord?
Tu viens chez moi, mon insu? Tu m'as menacé, tu m'as fait chanter. Tu crois que tu peux me ravir, mon homme? Où est-ce que tu penses aller? Je ne te laisserai pas partir d'ici jusqu'à ce que j'en finisse avec toi. Toi, c'est... Bien, nous continuerons cette investigation et je vous reviendrai, vous et votre famille. Mais vous êtes prié de ne pas quitter le pays jusqu'à ce que ce cas soit résolu. Comprenez-vous cela? Très bien, merci pour votre collaboration et cela sera tout pour l'instant. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.